Good morgen, allez, Iden, les six jours de l'élu Nishmat, François Fragi, Ben Chana, Janine Ruth, Barthorte de Mazal Fritna, Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous allons s'arrêter du Jin Perek Bet, Mishnah Vav. Amekadesh Tenashim, Beshavé Pruta, O Isha Achat, Bepachut, Mishavé Pruta, Afal Pishe Shalach, Sivlo Nantine Achar Mikan, Eda Mkudeshet, Shemechavat Kedushin Rishonim Shalach, Nechen, Tatan, Shekidesh. Celui qui veut marier deux femmes avec une pruta. Il y a deux copines qui sont ensemble, elles sont... Et il veut se marier toutes les deux. Et puis il dit à une, ben, tu sais quoi, regarde, je vous donne à toutes les deux une pruta par l'intermédiaire de... Et à Rachel et Léa, je donne à Rachel une pruta pour vous deux. Vous pourrez vous acheter ensemble un bonbon, le partager en deux. Et voilà, vous ferez moitié-moitié, puis comme ça, vous êtes mes deux femmes grâce à ça, d'accord? Comme ça, je fais le kiddushin aux deux femmes en même temps. Ou encore... Isha achat par contre, mais je veux pruta. Bien encore, si je marie une femme avec moins d'une pruta, même principe. Dans les deux cas, d'abord, je saute la ligne prochaine, la femme n'est pas mariée, parce qu'il faut marier avec une pruta, comme c'est écrit dans la première Mishnah. Et donc, dans ce cas-là, même si j'ai donné une pruta, c'est chachouf, mais pour deux femmes, donc c'était moitié-moitié, ou encore j'ai tout simplement donné une demi à chacun, et bien dans ces deux cas de figure, la femme n'est pas mariée, mais même mieux que ça encore. Même si après coup j'ai envoyé des tas de cadeaux, elle sera toujours pas mariée. Pourquoi? Parce que ce qu'il a envoyé ensuite, il l'a envoyé à cause des premiers kiddushin il a envoyé. Je m'explique de quoi ça parle, c'est pas compliqué du tout. Il faut bien différencier que les kiddushin, c'est un acte d'acquisition. D'accord? Il y a toutes sortes de situations où un homme, il a envie de conclure vite, d'acquérir la femme, que ce soit la sienne, puis on reviendra, il doit partir maintenant tout de suite en grande mission, super importante, truc, mais je veux déjà que cette femme-là, ça soit la même que personne maintenant, ouais, vous savez que les Kiddushin, c'est comme les fiançailles à notre époque, à l'époque, on acquérait la femme à ce moment-là, puis après on était tranquille pendant, on avait 6 mois pour s'organiser, pour se faire les Nisouin. Et il y avait, c'était très important, une fois qu'on avait trouvé quelqu'un de bien avec qui on voulait se marier, c'était très important de concrétiser, parce que si je ne concrétise pas tout de suite, et je vais partir ensuite en mission à l'étranger pour travailler pendant quelques mois, et que pendant ce temps, il y a un autre voisin qui va commencer à loucher sur elle, et à peut-être s'intéresser à elle, et finalement il va la dissuader, parce que quelqu'un, il va la marier lui-même, alors je vais la perdre. Donc du coup, c'est important que je conclue le plus vite possible les kiddushin. Maintenant on a conclu. Même d'ailleurs, c'est même écrit dans la halakha encore aujourd'hui, à notre époque. On fait des fiançailles, même Erev Tisha B'Av, même Tisha B'Av, même. Si jamais un couple qui sait, un bachour ou une bachoura, se sont rencontrés, ils ont conclu qu'ils veulent se marier, eh ben on va même se dire, se rencontrer à la veille de Tisha B'Av et dire Mazal Tov, Kilo, c'est bon, on a conclu. Au moins maintenant, c'est devenu comme ça, c'était à l'époque, on sortait la prota, on l'a marié. Maintenant, lui, il avait conclu de marier deux femmes. Oh non, on a fini. Ouais, peu importe. Il avait conclu de marier. Oui, on va rester sur ça. Sur le premier cas, par exemple. Il avait conclu de marier les deux femmes. Maintenant, il avait sur lui, il avait qu'une pruta. Mais vous inquiétez pas. Dans 2 jours, je vous couvre de bijoux, de la tête aux pieds. D'accord? Donc du coup, ça déjà, c'est pour l'acte d'acquisition. Et après, vous allez recevoir chacune à la maison des belles parures d'argent, des d'or et de trucs, non? Ouais, chacune couverte de tout, boucles d'oreilles, bijoux, la totale. Mais juste, je conclue tout de suite avec vous, tout de suite. Je donne déjà une pruta. Et ensuite... Même si on veut ensuite les sivlonot. Les sivlonot, c'est les cadeaux que le khatan fait ensuite à sa kala. Ça s'appelle les sivlonot. Et après, il a envoyé il a envoyé 7 chameaux, avec chacune, une avec les parures, l'autre avec des vêtements et les chaussures. Tout ça, il le fait cadeau. Mais maintenant, pourquoi il fait cadeau tout ça? Pour la mariée, ou bien non, parce qu'elle est déjà mariée alors qu'elle n'était pas mariée. Concrètement, il fait tous ses cadeaux parce que lui, dans sa tête, il croit qu'il l'a déjà mariée. Et donc, il lui fait tous ses cadeaux à sa fiancée, à sa femme. Mais ce n'est pas qu'en ce moment, il a l'intention de l'acquérir. S'il avait l'intention d'acquérir avec tout ça, c'est super. Au lieu de lui donner une prouta, il lui a donné à peu près 30 000 shekels. C'est très bien. Le problème, c'est qu'il lui donne ses 30 000. Mais en guise de, c'est déjà sa femme, en cadeau de sa femme. Pas en guise de kinyan pour les kiddushin. Donc, la femme n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Et pourquoi chez Mechamat Kiddushin Rishonim Shalach? Parce que tous les cadeaux qu'il les a fait à cause des premiers Kiddushin qu'il a fait avec elle, et pas pour la réacquérir.
Même principe aussi, Vechen Katan Shikidesh, même principe aussi avec un Katan qui a donné des Kiddushin. Il y avait un petit bachour de 12 ans, vous savez que pour se marier, il faut avoir 13 ans. La majorité religieuse est même que ça, même avec avoir deux séharot aussi, avoir des signes de puberté, que maintenant il est devenu gadol. Donc maintenant, il a marié la femme, il avait 12 ans et quart, 12 ans et demi, il avait fiancé déjà la fiancée, en prévision de se marier plus tard. Entre temps, il était à 3 semaines de sa bar mitzvah en fait. Et puis entre temps, maintenant, le temps est passé, et maintenant, il lui envoie, et maintenant, elle ouvre la porte de sa maison, la petite jeune fille de 11 ans. Et puis, donc, ouais, peu importe, il ouvre la porte, et puis là, il y a les 7 chameaux qui arrivent. Le premier avec les bijoux, le deuxième avec les robes, le troisième, elle reçoit le cadeau, elle reçoit le cadeau, le cadeau. Même principe, la femme ne sera pas mariée avec tout ce qu'il lui donne en ce moment. Pourquoi? S'il voulait la marier, maintenant il est devenu grand, et 3 semaines après, il est déjà devenu adulte. Donc s'il avait eu l'intention de la marier avec tout ça, il aurait pu la marier. Mais chef, sans aucun problème, puisque au lieu de donner une prota, il lui donne 30 000. Mais puisqu'il lui donne, du fait que c'est déjà sa femme qui va déjà marier, alors que quand il la marie, il n'était pas encore peut-être marié, et bien dans ce cas-là, elle ne sera pas mariée parce qu'il n'a pas eu l'intention de l'acquérir de nouveau. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.